Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Leitmotiv, votre émission d'inspiration et de motivation. Nous recevons pour vous un jeune chef d'entreprise, prix d'excellence 2014 et 2015 de la meilleure PME, et dont le parcours, je suis sûre, pourra édifier tous les jeunes entrepreneurs qui nous suivent. Monsieur Bon-Olivier Kouakou, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de nous recevoir dans vos bureaux. C'est un plaisir. Vous êtes le PDG d'HyperAccess, un grand groupe qui évolue dans le secteur des télécoms et des NTIC. Vous avez des filiales au Bénin qui rayonnent sur le Togo et le Niger, à Barcelone qui couvre la France, et aussi des partenaires aux États-Unis. Et pourtant, après vos études, rien ne vous prédestinait à une si grande carrière. Vous êtes né à Bondoukou, dans l'est de la Côte d'Ivoire, une enfance heureuse mais difficile, comme toutes les personnes qui ont grandi à l'intérieur. Racontez-nous ce premier chapitre de votre vie. Alors, que puis-je dire ce soir? Et sinon, que c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci. Et je puis vous dire que, comme, n'est-ce pas, tout Africain et tout jeune Ivoirien, surnom pour nous qui venons plus ou moins du terroir, hein, n'est-ce pas, donc de l'intérieur du pays, il est clair que chacun d'entre nous a une histoire d'enfance. Exactement. Et je puis vous dire que souvent j'ai souvenance, hein, n'est-ce pas, de ma tendre enfance aux côtés de ma tendre grand-mère, et qui aujourd'hui est encore vivante et à qui je voudrais rendre, n'est-ce pas, des hommages, n'est-ce pas, de façon spéciale. Et je profite de cette antenne pour rendre des hommages à ma grand-mère, en tout cas qui m'a vu grandir, mais aussi à ma mère, mais à vous également en tant que femme. Merci. Et aussi à mon épouse, n'est-ce pas, qui chaque jour est à mes côtés dans les défis de tous les jours. Alors, ce fut une enfance, comme vous l'avez si bien signifié, pas toujours aisée. Mais je crois que c'est cette enfance qui m'a forgé, n'est-ce pas? Et lorsque souvent je regarde un peu d'où je suis sorti, n'est-ce pas, pour beaucoup de jeunes Africains, n'est-ce pas, surtout Ivoiriens de façon particulière, et nous sommes sortis de ce qu'on appelle communément et des maisons en dur, n'est-ce pas? Et où c'est la paille. Et généralement en temps de pluie, où je peux dire un peu la casse du village, hein, en quelque sorte. Alors, lorsque c'est le temps de pluie, où généralement ta grand-mère se donne beaucoup de peine pour que vous ne soyez pas mouillé la nuit, c'est de cela que nous sommes sortis. Et je crois que cette expérience de la vie que certains pourraient qualifier, n'est-ce pas, d'enfance difficile, nous a permis quelque part aussi d'avoir ce qu'on appelle la rage de vaincre. Non pas de nous venger de la vie, mais de relever le défi d'honorer notre famille qui a toujours été à nos côtés. Et je crois que c'est cette enfance-là qui nous a permis d'avoir la personnalité qui est la nôtre aujourd'hui et qui nous permet, n'est-ce pas, de faire face à beaucoup de défis. Voilà un peu d'où nous sommes sortis et voilà, c'est ce que je peux dire un peu de ma petite enfance qui, du village de ma grand-mère, s'est poursuivie après aux côtés de ma maman où j'ai pu achever mes études primaires. Alors, je peux vous dire que c'est tout de même une belle expérience de vie. J'imagine. Alors, après votre primaire, donc vous obtenez votre bac série C. Racontez-nous un peu, vous étiez quel genre d'élève au primaire, au collège, au lycée? Alors, je crois, pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas pour habitude de parler de moi-même, vous voyez, parce que ce n'est vraiment pas de notre éducation à nous autres. Mais si je dois résumer, n'est-ce pas, mon enfance scolaire, donc le primaire et je crois et les études au lycée. C'était où? C'était dans quelle ville? Alors, le lycée moderne de Bondoukou, n'est-ce pas? Je crois certains de mes amis d'école et actuellement me regardent. Voilà, je crois, on peut dire que du CP1 jusqu'en terminale, je n'ai jamais repris de classe. Cela donne déjà une idée de ce que ma carrière au niveau du primaire et du lycée, plus ou moins, a été au niveau scolaire. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, n'est-ce pas, de cette enfance-là, sinon de cette vie. Et je crois que ceux qui me connaissent mieux pourront mieux en parler et il faut leur laisser, n'est-ce pas, le privilège d'en parler pour ceux qui ont côtoyé notre enfance et qui en savent mieux que nous autres peut-être. Parce que il faut quand même reconnaître que parler de soi n'est pas toujours conseillé. Et ce n'est pas toujours évident. Absolument. Mais aujourd'hui, vous êtes là justement pour faire partager votre parcours. Absolument. Justement, parce qu'après tout, on est tous un modèle pour quelqu'un dans la vie. Tout à fait. Tout Alors, à fait. Vous vous orientez vers une série C de vous-même ou on vous oriente? Mais on m'oriente. Vous savez, lorsqu'on est au lycée, généralement, ce sont vos moyennes dans les filières scientifiques
n'est-ce pas, qui vous oriente. Mais peut-être que j'ai eu aussi le privilège, au-delà des filières scientifiques, je peux dire un peu aussi d'être polyvalent dans les filières plus ou moins littéraires. Donc, généralement, les élèves, n'est-ce pas, qui sont orientés en série C, donc filière maths, physique, physique-chimie, voilà, c'est des élèves qui sont généralement reconnus être polyvalents dans un certain nombre de matières. Donc, je crois, bon, ben, écoutez, si mes professeurs et le conseil, n'est-ce pas, d'école ont estimé, n'est-ce pas, je vous raconte une anecdote. Je me souviens, en terminale C, c'était ma première fois que j'avais la note la plus mauvaise de toute ma vie, parce que lorsque vous avez appris à être parmi les premiers de votre génération, de votre classe, alors vous êtes habitué à un certain type de notes. Et j'avoue que notre premier devoir, peut-être certains de mes amis qui m'écoutent aujourd'hui s'en souviendront. Alors, c'est la première fois que j'avais une telle mauvaise note que mon oncle aujourd'hui est préfet de police, n'est-ce pas, à qui je rends aussi des hommages, parce que n'eût été sa contribution dans la suite de mes études supérieures, j'avoue que la situation de ma famille ne m'aurait pas permis d'arriver là où je suis. Alors, il arrivait un jour à Bandoukou et j'ai dit, mais tonton, on m'a envoyé en C, c'est vrai, moi j'aime bien les filières scientifiques, mais j'avoue qu'on vient de faire un devoir et la note que j'ai eue, franchement, m'a tellement déçu que... Il dit, je vais te dire une seule chose, si on t'a orienté en C, c'est parce que tu en as la compétence et la qualité nécessaire à toi de prouver qu'on ne s'est pas trompé de toi. Et c'était quoi comme note? Ah ben, c'était pratiquement 3 sur 20. Waouh. Et la forte note de la classe était autour de 3,75. Donc, vous imaginez, des élèves de première C, alors c'est pratiquement les 6-5 premiers de chaque classe qu'on prend et que le lycée moderne prenait pour constituer une seule classe de terminale C. Autrement dit, tous ceux qui sont sélectionnés avaient plus ou moins un background en matière scientifique pour constituer une sorte de classe d'excellence. Et quand la première note arrive et que la plus forte note n'atteint même pas les 4, alors c'est un choc psychologique. Pour tout le monde. Mais croyez-moi, après ça, les choses sont rentrées dans l'ordre tout de même. D'accord. Voilà. Alors, vous passez donc un bac série C. Absolument. Que vous obtenez avec mention. Ben voilà. Et après, qu'est-ce que vous décidez de faire? Ben, qu'est-ce que je décide? Je crois... C'est assez bizarre. J'ai été orienté en filière de, comment je peux appeler, génie civil. D'accord. C'est bizarre. Peut-être que je n'ai pas assez raconté à beaucoup de personnes. On m'a orienté en génie civil. Et curieusement, peut-être que c'est l'âme de l'entrepreneur qui parlait déjà. Un jour, je suis allé voir mon oncle, j'ai dit, mais moi, je vais faire les finances comptabilité. Alors, là où on compte l'argent, quand même, ça m'intéresse. C'est bizarre. Là, on compte l'argent, ça m'intéresse. Et je crois, par sa due diligence, j'ai dû changer, n'est-ce pas, de filière et j'ai engagé, n'est-ce pas, des études en finance comptabilité où j'ai obtenu déjà un BTS, finance comptabilité. Après, j'ai poursuivi. Je ne sais pas, je me suis rendu compte que je prenais plaisir quand même à côtoyer les gens, à aimer tout ce qui est comme leadership, vous voyez, les relations humaines, tout ce qui est comme lobbying, à échanger avec les gens, vous voyez, à convaincre les gens surtout, à les convaincre, n'est-ce pas, de mes idées. Et ça, je crois, c'est du domaine de la vente et du commercial. Et alors, donc, j'ai poursuivi les études supérieures, n'est-ce pas, dans l'ingénierie, marketing et commercial pour, n'est-ce pas, embrasser cette carrière, d'autant plus que déjà, j'avais des compétences en matière de gestion et surtout de finances. Et ça, je crois, c'est ce qui a orienté après mes choix en matière d'études supérieures. D'accord. Et après ça, votre première expérience professionnelle? Mais je peux dire que deux expériences, voilà, qui se sont suivies, si je peux le dire ainsi. Mais l'une des expériences qui m'a le plus marqué, c'est mon passage, n'est-ce pas, dans cette entreprise suisse. Et je crois, tout jeune, mais j'ai appris ce qu'on appelle le professionnalisme. Voyez. Ça a été votre première expérience professionnelle? Alors, je peux dire la deuxième. D'accord. Mais l'autre, la première vous a pas vraiment marqué? Non, elle m'a marqué. Mais ce n'est pas à cette première-là que j'ai fait mes premières marques. D'accord. D'expérience professionnelle où on est confronté, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle des rapports d'entreprise. D'accord. À ce qu'on appelle prise de responsabilité, prise de risque. Mm-hmm. Je peux dire que ma première expérience professionnelle, elle était beaucoup plus à l'apprentissage. D'accord. Et curieusement, après un an et demi, ça m'a fait basculer dans la deuxième expérience professionnelle dans ce groupe suisse où j'ai appris ce qu'on appelle la loi du professionnalisme. Voyez, la loi du professionnalisme, c'est toute une loi. Et je crois, tout ce qu'on fait dans la vie, on doit intégrer un principe. C'est être professionnel. À ce moment précis de votre vie, vous pensiez faire carrière dans le privé ou alors vous aviez déjà des ambitions d'entrepreneur? Waouh, quelle question.
Alors, je ne peux pas dire que les questions d'entrepreneuriat étaient des questions peut-être nourries et par le passé. Et est-ce que je peux dire, c'est qu'étant déjà au lycée, lorsque j'avais ma bourse, j'avais pour habitude de me rendre à Sampa, puisque Bondoukou est frontalier plus ou moins au Ghana, de payer que ce soit quelques petits habits, quelques petites chaussures que je vendais à mes amis et qui me permettaient déjà de rentabiliser et de gagner plus, comme on peut le dire. Non, je peux dire qu'il y avait déjà quelques réflexes, n'est-ce pas, peut-être du futur entrepreneur. Mais dans ce groupe-là, par exemple, j'avais effectivement pour ambition de devenir peut-être demain l'un des grands managers. Mais qu'est-ce qui va militer, n'est-ce pas, et le choix à l'entrepreneuriat? Peut-être que ce sera votre prochaine question. Mais je peux vous dire que et le ciel m'a fait cette grâce. Je suis passionné de mon job. J'ai appris une seule leçon de la vie et je crois que je l'ai apprise aux côtés de mon grand-père. Au village, nous, on avait l'habitude, généralement, de nous rendre au champ tôt le matin, à 6h du matin, sinon on va à 5h30. Pourquoi? Et j'ai encore souvenance, n'est-ce pas, de ce que lorsque vous faites le piège en brousse au champ, si vous arrivez tard, alors soit c'est le voisin au niveau de votre champ, ou bien c'est un petit volet qui est passé et qui prend la bête que ton piège a pris. Juste pour dire que je crois que c'est la même chose dans le secteur privé. Les opportunités se saisissent vite et très tôt. Et comme on le dit, le bonheur appartient à celui qui se lève tôt. Le travail, c'est ce qui définit l'homme. Moi, je crois, lorsqu'on se met au travail, quelque part, on est en train de poursuivre l'œuvre de la création du grand créateur. Donc, quelqu'un qui joue avec son travail dans la vie ne comprend pas sa mission. C'est une mission de responsabilité et de création. C'est pourquoi le travail est au cœur de tout projet de développement. Un peuple qui travaille moins ne peut jamais connaître le développement. Pour moi, c'est une question préalable à tout programme de développement. Que les uns et les autres prennent conscience que lorsqu'ils sortent de leur maison chaque jour et qu'ils se rendent au travail, le développement de leur pays ne dépendra pas forcément de leurs gouvernants, mais de ce qu'ils feront à leur bureau et de la manière dont ils l'exerceront. C'est avec responsabilité ou irresponsabilité. Et cela détermine le pays que tu laisseras un jour à tes enfants, aux enfants de leurs enfants. Voilà ma compréhension et la culture que j'ai du travail. De retour avec notre invité, M. Bon-Olivier Kouakou, PDG de HyperAccess, un homme dont la volonté de réussir et la persévérance sont à tout égard des exemples pour tout jeune entrepreneur. Après donc cette étude de faisabilité et de marché, vous décidez de démissionner de votre poste, et ce malgré l'intervention de vos parents qui vous déconseillaient de le faire. Vous n'aviez pas eu peur à un seul moment de vous tromper ou de compromettre votre carrière? Alors, je répondrai par l'inverse. Je pense que si je n'avais pas démissionné, j'aurais beaucoup plus compromis ma carrière. Vous voyez? La vie est faite de convictions et de choix. Je vous ai déjà dit que j'avais été orienté en génie civil et que j'ai choisi. Et qu'après des études de comptabilité et de finances, au lieu de poursuivre une expertise comptable, là aussi, j'ai fait un choix d'aller à tout ce qui est comme marketing, commercial, management. Certains de mes parents, avant même que j'entre déjà dans la vie active, et avait des pistes pour que j'intègre la fonction publique. Et lesquelles opportunités également que j'ai déclinées. Je ne dis pas refuser, mais déclinées. La décision de démissionner, comme je l'ai dit, s'imposait. D'autant plus que je comprenais plus ou moins déjà ma vocation. C'est celle d'aller à l'entrepreneuriat, mais pour quel but? Parce que c'est ça. Je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Tout le monde est euphorique, tout le monde est excité. Ah tiens, je vais devenir comme Bill Gates, je vais être comme Steve Jobs. Bon, vous savez, entre là où Bill Gates est quitté pour devenir ce Bill Gates d'aujourd'hui que nous connaissons, d'où vient Steve Jobs pour être le Steve Jobs que le monde entier connaît? Il y a eu beaucoup de travail. Je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup de travail. Et il y a eu un long parcours. Vous savez, dans l'ombre,
et avant que l'on ne sache tout ce qu'ils ont proposé à l'humanité. Donc, pour moi, c'était pour un certain nombre de missions. Et ces missions, je dis que chaque entrepreneur a en lui ce que j'appelle un peu, je dirais pas uniquement mission, mais une sorte de vocation. Il est d'abord fortement animé par le souci de servir, n'est-ce pas, et ferme, de servir quelque chose de plus fort que lui. Rendre service aux hommes, rendre service à des entreprises, rendre service à des institutions, leur permettre de bien travailler, d'être efficace, en leur proposant les solutions que nous considérons être les meilleures auxquelles nous croyons fortement. Voyez, en le faisant avec honnêteté, en étant convaincu qu'il aura des résultats tangibles, voyez, donc on ne dépose pas son service, le gars finit d'utiliser, il n'est pas content, on disparaît. Non, on assume la responsabilité de l'accompagner à être satisfait. Donc, j'étais convaincu que dans mon engagement à l'entrepreneuriat, surtout et au niveau des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, le TIC, que j'avais des outils et des idées, sinon des solutions qui permettaient donc aux entreprises, n'est-ce pas, d'optimiser les charges et de faire de bons investissements. Ça, j'en étais convaincu. Aujourd'hui, nous avons bientôt 8 ans d'existence. Et vous imaginez, la plupart des gens qui ont commencé avec moi depuis 8 ans, ils ont pu obtenir un emploi. Imaginez-vous, rien ne peut me confirmer aujourd'hui que si HyperAccess n'avait pas été, ces gens allaient travailler. Parce qu'eux-mêmes rencontrent certaines personnes avec lesquelles ils ont étudié, mais qui sont toujours au chômage. Tout à fait. Donc, quelque part, j'avais un souci profond à l'intérieur de moi de faire en sorte de créer des emplois aussi pour ceux de ma génération. Voyez ? Alors, généralement, on dit, oui, on va à l'entrepreneuriat pour devenir riche. Attention. Non. Moi, j'ai ma philosophie. Ma philosophie, la voici, madame. C'est le service que l'on rend aux hommes, aux entreprises et aux institutions qui vont créer la richesse pour vous. Ce n'est pas parce que vous y allez que vous allez devenir riche. C'est ça qui est la réalité. Parce que si vous vous engagez à l'entrepreneuriat pour devenir riche et taper votre poitrine dans votre quartier comme ça que vous êtes devenu quelqu'un, je peux vous dire que vous avez même échoué avant de vous engager à l'entrepreneuriat. Parce que les premiers signaux, n'est-ce pas, des défis qui vont se présenter à vous, généralement ce ne sera pas des défis où vous êtes riche, ce sera des défis où vous devez aller chercher l'argent pour aller servir les autres. C'est ça le vrai défi. Autrement dit, toutes vos petites économies peuvent disparaître du jour au lendemain. Vous pouvez vous retrouver complètement déplumé, comme on le dit en griffe, de tout ce que vous avez épargné, ou même criblé de dettes. Où est la richesse donc? Mais ça n'empêchera pas cette flamme qui brûle au fond de absolument, vous. Absolument, absolument. De continuer. Et l'entrepreneuriat, c'est ainsi. Il y a des moments où vous êtes condamné, je peux dire condamné. Là où vous aviez l'habitude de descendre à 18h, prendre le petit pot avec vos amis, viendra des moments lorsque vous engagez, où ce sont des habitudes que vous devez apprendre à oublier. Parce que souvent, vous allez descendre à 2 heures du matin. Oui, il faut savoir faire des sacrifices. Là où les hommes sont, absolument, sont en train d'expérimenter ce qu'on appelle le sommeil profond, c'est là que vous devez être éveillé. Et le lendemain, ce n'est pas parce que vous descendez tard que vous ne serez pas le très tôt au bureau. Oui. Alors aujourd'hui, je peux vous dire que ça me fait bientôt près de 11 années de vie professionnelle, dont 8 ans d'entrepreneuriat, mais depuis 8 ans, je n'ai jamais eu de congé pour moi. C'est ça qui est la réalité. Et mon épouse peut le confirmer. Et ça ne fait pas de vous un homme fatigué. Mais fatigué pourquoi? Fatigué pourquoi? Je pense que la fatigue est psychologique. Vous savez, lorsqu'on est porté par quelque chose qui est plus fort que soi et que l'on porte une vision, parce que cette vision, elle n'est pas juste pour dire que je suis de Bondoukou, donc je vais aller juste prendre les gens de Bondoukou, les célébrer, et puis bon, parce aller faire le développement seulement de chez moi. Elle implique d'autres personnes. Elle implique d'autres personnes, et je pense que votre pays, dès que vous vous engagez, votre pays attend beaucoup de vous. Bien et sûr. Aussi l'Afrique, parce que nous savons c'est les défis qui sont et ceux de l'Afrique. Et donc, on a des moments de sacrifice. Il est clair que aujourd'hui, n'allez pas demander à Bill Gates de quitter le bureau à 2h du matin non plus. Oui. Il y a des étapes. Et c'est ce que j'appelle dans la vie, il y a un temps de la semence, il y a un temps du travail, du dur labeur, il y a un temps de sacrifice où vous sacrifiez beaucoup de choses, des privilèges, mais il y aura aussi des moments où vous pouvez vous offrir un certain nombre de plaisirs. Mais attention, au moment de sacrifier ce temps, de faire ce sacrifice, si vous vous amusez, parce que le premier chiffre d'affaires arrive que vous voulez vous amuser, je peux vous assurer que vous n'allez jamais connaître le repos. Pourquoi? Parce que vous serez en train de courir à vie. C'est ça la réalité.
Et voilà un peu, je crois, et les enjeux qui nous ont motivés fortement et qui ont fait que nous étions convaincus que nous n'avions pas le droit d'échouer. Vous savez, quand on est convaincu, je pense que le marché aussi nous l'a bien répondu parce qu'on avait des outils qui leur étaient favorables, intéressants, et le marché nous accompagnait. Alors, expliquez-nous un peu comment se passe votre démission au sein de votre entreprise. Il est clair que lorsque vous êtes jeune et qu'une entreprise dans laquelle vous êtes vous fait confiance parce que les dirigeants peut-être voient en vous l'avenir et qu'un matin vous décidez de rendre votre démission, je ne dirais pas que c'est un choc, mais c'est une grosse surprise parce qu'on compte sur vous pour bâtir des stratégies un peu partout. Surtout quand vous êtes compétent en plus. Oh ben, si vous le dites, je le reçois avec beaucoup d'humilité. Non, mais vous ne seriez pas là où vous êtes si vous n'y avez pas quand même merci, une certaine madame. Part de compétence. Merci. Merci, je l'accepte volontiers. Alors, vous imaginez, vous déposez votre démission, vos responsables, qui, à un moment donné, sont considérés comme, surtout, votre PDG, il est comme un père pour vous. Vous savez, alors, il essaie de vous raisonner, peut-être l'enfant perd la tête. Il faut revenir à de meilleurs sentiments. Donc, effectivement, on essaie de vous dissuader. Mais je ne dirais pas que je suis resté ferme sur ma position, mais j'ai donné les raisons de ce départ. Lesquelles raisons étaient légitimes. Tout en étant convaincu que je partais en paix avec mes anciens dirigeants. Parce que la vie, il y a un principe aussi que j'ai développé dans la vie. Dans la vie, il faut apprendre à bien partir. Tout à fait. Il faut apprendre à partir. En tout cas, à moins que les conditions ne vous le permettent pas. Mais tant que vous avez la possibilité de partir, en restant en paix avec vos responsables d'hier, en tout cas, ne tombez pas dans ce que j'appelle et plus ou moins la suffisance et l'orgueil. Et parce que la vie est exceptionnelle, vous allez retrouver les mêmes personnes sur votre chemin. Plus tard. Il faut savoir partir. Et je crois que je suis parti, tout simplement. Mais est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui croyaient comme vous en vos projets à cette époque où vous étiez seul à y croire? Comme je vous l'ai dit, dans votre entourage, j'ai cette culture à convaincre. Peut-être le ciel m'a fait cette grâce. Généralement, quand je suis convaincu, j'arrive à en convaincre d'autres, peut-être pas tous, mais j'arrive à en convaincre. Et peut-être aussi qu'ils parviennent à me suivre dans ma folie. Parce que, vous savez, la voie de l'entrepreneuriat n'est pas une marche solitaire. Elle n'est pas forcément solitaire. Il faut savoir s'entourer d'un certain nombre de personnes. Lorsque j'ai eu ce projet et cette idée, que j'avais un ami, voilà, M. Kone Ibrahima, qui aujourd'hui est notre directeur général de notre filiale du Bénin, que je salue au passage. Alors, immédiatement, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, mais Kone, tu es où là? Parce que depuis déjà longtemps, on était en contact. Il dit, non, je suis en brousse là, quelque part. Bon, comme pour l'instant, je ne travaille pas, donc je fais des petits métiers et voilà, on me paye. Et comme moi, je suis père de deux enfants, il faut bien que je m'en occupe. Je vive. Vous imaginez quelqu'un qui est ingénieur télécom et j'entends ce discours, je dis, écoute, tu vas rentrer à Abidjan aujourd'hui, tu vas venir vivre avec moi. Donc, j'ai accueilli cet ami chez moi. Pendant un an, il a vécu avec moi. On a vécu ensemble. Et après, d'autres sont venus. Donc, un de mes cousins, vous voyez, qui a fini ses études au Maroc et qui est venu et il me dit, lui, il a fait la comptabilité. J'ai dit, bon, tu as fait la comptabilité comme moi. Mais nous démarrons, il n'y a rien à compter. Il n'y a pas l'argent à compter. Donc, toi, tu es responsable commercial. Tu vas aller vendre. C'est quand on vend qu'on peut venir compter. Alors, et ensuite, je reçois un jeune qui vient faire un stage, M. Sekongo Namblé. Tous ceux que je vous cite, aujourd'hui, j'en ai fait des associés. Même ceux qui ne l'étaient pas, je leur ai ouvert le capital pour en faire des associés parce que c'est des jeunes qui ont souffert avec moi. Qui vous ont accompagné. Accompagné. Et ceux-là, comme dit l'autre, ils ne sont pas entre griffes. Je peux dire des disciples, mais on est une véritable famille. Parce qu'ils connaissent ma vie d'entrepreneuriat. Malheureusement, Monsieur Ban, Olivier, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs la semaine prochaine. Que Dieu nous garde. La semaine prochaine dans Leitmotiv. Nous aussi, on avait eu notre garage de Bill Gates. Hein? Voilà, on a eu aussi notre petit garage. J'ai souvenir qu'un jour, il y a un monsieur qui est venu nous voir. Il voulait une solution. Et puis bon, il est venu nous voir. Et quand il est arrivé, il a vu un peu l'environnement dans lequel on était. Et
C'est un projet, je crois, de près de 15-18 millions. Ah bon, quand il a vu, on a parlé avec euphorie, il est convaincu, tout ça. Mais je pense que notre environnement ne l'a pas convaincu. Tout simplement. Donc, accepte de perdre. Pourquoi? Parce qu'on a douté de toi.